Voilà comment ça se passe. Regardez comment ça se passe. Quand Dieu... Viens toi-même, viens toi-même. Ce sont tes pièces. Voilà, mets-toi. Quand Dieu nous bénit, écoutez, moi ça m'a effrayé. J'ai dit, oh, mais donc moi je rate beaucoup de choses. Oui, je rate beaucoup de choses. Quand vous n'êtes pas constamment dans un esprit de prière, Dieu vous envoie les choses. Hein? Je te lance, tu attrapes, n'est-ce pas? Voilà, vous voulez même maintenant? Yes. Vous pouvez attraper une pièce, deux pièces, mais vous n'attrapez pas le reste. Quand Dieu vous envoie des grâces, il envoie ça comme ça. Quand tu n'es pas spirituel, tu attrapes seulement une. Ou bien tu n'attrapes rien. Mais tu perds beaucoup. Mais tu ne sais pas. Attention, ce sont des choses spirituelles. Il envoie ça. Dieu envoie ça dans une dimension spirituelle. Il y a encore derrière. Il y a même encore là. Vous voyez comment c'est parti partout. Ouais, il a perdu toutes ses grâces. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pendant l'année 2020, c'est ce que Dieu va faire. 2024. Il va envoyer beaucoup de grâces. Mais dès lors, où tu sais déjà qu'après le jeûne là, quand tu finis là, toi-même tu sais que toi, la nourriture, c'est ta vie. La manière dont tu aimes la nourriture, elle occupe une trop grande place dans ton... Tu es né pour venir manger. Tu es né pour venir manger. C'est toi qui dois finir la nourriture de la terre. Ah, Dieu, sauve-nous. Les grâces là sont dans l'esprit. Les miracles là sont dans l'esprit. Et donc Dieu fait quoi? Il envoie ça. Et quand il envoie cela, quand tu es spirituel, ton esprit est développé. Donc, tu es capable de pac. C'est spirituel, c'est pas un truc normal. Mais quand tu es charnel dans les choses du monde, tu es un chrétien, tu es là, tu es entre la moquerie, les critiques et le film. La moquerie, l'histoire du voisin, la moquerie, les réseaux sociaux et puis tes péchés. Quand Dieu lui envoie les grâces, tu rates beaucoup de grâces. Mais le seul problème, c'est que ces grâces-là, elles viennent sous une forme spirituelle. Donc tu ne les vois pas. C'est pourquoi tu crois qu'on n'a pas envoyé. Mais alors qu'il envoie beaucoup de grâces. Regardez une grâce. Les grâces sont réelles. Il ne faut pas douter d'elles. Mais pour saisir la grâce qu'il a eue, ça veut dire rencontrer quelqu'un et puis s'y accrocher. C'est seulement si tu peux attraper ça. Par contre, il y a beaucoup de relations que Dieu t'a envoyées, que quand tu n'es pas spirituel, elles sont passées. Cette relation-là a amené ta conversion. Cette relation-là a amené un matelas. Cette relation-là t'a amené un mariage. Cette relation-là t'a amené... C'est ça, non? Notre relation. Mais il peut avoir raté une relation qui a amené une voiture, mais il ne sait pas. Il peut avoir raté une relation qui a amené un voyage aux États-Unis, mais il ne le sait pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand vous ne priez pas, écoutez-moi bien, même si vous ne voyez pas, vous ratez des choses. Je dis, quand vous ne priez pas, même si tu ne vois pas, tu rates des choses. Quand tu ne pries pas, même si tu ne vois pas, tu rates des choses. Qui comprend ce que l'on est en train de dire là? Ça dit, ne te trompe pas parce que tu ne vois pas. Même si tu ne vois pas, il ne faut pas suivre, tu rates des choses. Et si tu deviens spirituel, ça veut dire si tu prends la parole de Dieu au sérieux, quand elle dit prier sans cesse, si tu deviens un homme de prière, à tout moment tu pries, tu vas voir que tu vas attraper, tu auras l'impression que c'est une année de bénédiction. C'est pas une année de bénédiction. Les années passées aussi étaient comme ça, jusque désormais tu as compris qu'il faut être spirituel pour capter les différentes choses que Dieu envoie. Est-ce que vous voyez? Donc je réessaye une dernière fois. Essaye d'attraper quelques pièces. Même quand il peut. Voilà. Tu as pris combien? 200. Voilà. Il a pris 200.
par rapport. Parce qu'il y a même une qui est allée au fond. Il y a une qui est allée au fond ici. Il y a une pièce qui est venue ici au fond. Donc, il y a plus de pièces à terre que de pièces qu'il a pu attraper. C'est ça ou c'est pas ça? Plus de pièces à terre. C'est ce qui se passe dans nos vies spirituelles. C'est pourquoi, écoutez-moi, c'est pourquoi vous voyez les tendances à la fatigue de la prière. C'est pourquoi Satan incite la tendance à la fatigue de la prière. Parce qu'il sait qu'à travers la prière, vous risquez d'attraper trop de choses que Dieu envoie. D'où il fait quoi? Il va favoriser les choses de la terre. Il va mettre l'accent sur des choses inutiles, mais de la terre, de manière à ce que vous soyez porté sur ces choses-là et que vous ne soyez pas un homme de prière, afin de vous faire rater le maximum. Alors, vous savez pourquoi Satan le fait? Satan le fait parce que nous sommes sous le troisième, le premier ciel. Mais Satan, il opère au deuxième. Et Dieu se trouve où? Donc, Satan voit ce que Dieu fait descendre. Vous comprenez? Étant au deuxième, quand Dieu envoie, ça passe devant lui. Et donc, il dit, les gars là vont prendre. Il travaille vite en bas pour que ceux qui arrivent ne tombent pas sur toi. Il doit donc te discerner entre le cinéma, le ceci, le machin, pour que tu sois dans tout ça. Et que sur 1000 grâces, tu n'en attrapes qu'une. Yes. Je déclare ta vie de prière pour cette année 2024 au nom de Jésus-Christ. Une vie de prière aiguë. Une vie de prière aiguë. Je dis une vie de prière aiguë au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Une vie de prière aiguë. De haute spiritualité. Yes. Haute spiritualité. Où tu te sens attiré par d'autres personnes aussi qui sont des personnes de prière. Yes. Où tu sens que quand quelqu'un n'est pas une personne de prière, tu as l'impression qu'elle t'ennuie. Et tu sens comment tu es attiré vers une autre personne spirituelle. Kaya Badarus. Oh yes. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce message sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Abonnez-vous et ne ratez plus rien. Cet extrait a été réalisé grâce au concours des partenaires VLR Impact TV. Merci, chers partenaires.